Gott, Vater, wollen uns behüten und bewahren. An Seel, Leib, Hab und Gut. La variété de ses conditions climatiques et topographiques a fait de la Suisse depuis fort longtemps un pays agricole marqué par la diversité. Deux tiers environ des 40 000 km² du territoire suisse sont couverts de rochers, de glaces, d'eau, de forêts et d'agglomérations. Un peu plus d'un tiers est exploitable par l'agriculture et l'économie alpestre. Et un tiers de cette surface est composée d'alpages qui ne servent qu'à l'estivage du bétail. Durant des siècles, les paysans suisses ont fortement marqué le pays et ses paysages de leur empreinte, les rendant ainsi attrayants pour les touristes. Qu'il s'agisse d'exploitations familiales ou de grosses entreprises, les quelques 60 000 exploitations agricoles qui subsistent dans les quatre régions linguistiques parlent le même langage, celui de l'agriculture durable. La tâche principale de ces exploitations, c'est la production de denrées alimentaires fraîches et de qualité. Les exploitations agricoles suisses abritent une faune domestique des plus variées : poules, moutons, chèvres, porcs et chevaux. Mais ce sont les bovins qui occupent sans conteste la première place. Les vaches laitières totalisent à elles seules près de la moitié du rendement de l'agriculture suisse. Le lait des vaches élevées en plaine est transformé en une multitude de produits dans de grandes centrales laitières. Près de la moitié des exploitations agricoles sont situées dans les régions montagneuses. Le travail des paysans y est plus difficile qu'en plaine. Sans les paysans de montagne, les régions les plus reculées seraient rapidement envahies par les broussailles. Chaque été, Barbara monte à l'alpage. Ce travail m'apporte énormément. Et j'ai le sentiment qu'il m'enrichit personnellement. Le temps passé là-haut m'ouvre les yeux sur ce qui est essentiel. Ce qui est merveilleux à l'alpage, c'est que l'on voit le résultat de son travail. Même si la Confédération leur verse des contributions substantielles, les paysans de montagne gagnent environ un tiers de moins que leurs collègues de la plaine, ce qui contraint nombre d'entre eux à exercer une seconde profession. Durant l'hiver, je vais à l'école. Mais quand je pense à ma vie à l'alpage, ça me pousse à y retourner. L'alpage fait partie de ma vie. La Suisse a réalisé une œuvre pionnière en rendant son agriculture écologique. Depuis 1999, les paiements directs sont réservés aux paysans qui travaillent dans le respect d'exigences sévères en matière de protection de l'environnement. La presque totalité des exploitations ont adopté ces mesures. Maurice et Joël Terrain exploitent leur domaine en remplissant les exigences de la production intégrée. Alors aussi une des caractéristiques, c'est que maintenant, chaque intervention, c'est pas du systématique. On va toujours aller voir si ça vaut la peine d'intervenir avec des produits phytosanitaires. Donc, toujours une application très précise. Avant le début du virage écologique de l'agriculture, au début des années 90, les paysans suisses utilisaient chaque année 2500 tonnes de produits de traitement des plantes. 10 ans plus tard, ils n'en appliquent plus que 1500 tonnes. La Suisse sert aujourd'hui d'exemple à d'autres pays dans le domaine de l'écologie. De nombreux labels et indications de provenance distinguent la qualité des produits. Les produits arborant l'indication « Suisse garantie » par exemple, sont produits et transformés en Suisse, selon des critères sévères, de façon écologique et sans avoir recours au génie génétique. IP Suisse représente la production intégrée. Les produits biologiques sont porteurs du label « Bourgeon ». Environ 10% des exploitations suisses produisent selon les normes de l'agriculture biologique,
qui prescrit notamment l'emploi de techniques douces pour lutter contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. Les produits bio sont toujours plus demandés. La majorité des exploitations agricoles sont de taille moyenne, qui, parallèlement à la production laitière, s'adonnent aux cultures. Parmi leurs produits, on trouve notamment des légumes, des baies, des fruits, des céréales, des oléagineux, des betteraves et des pommes de terre. En Suisse, les coûts de production sont élevés, car les domaines sont de petite taille, souvent vallonnés, et les exigences légales particulièrement sévères. Pour subsister sur le marché et résister face à la concurrence étrangère, les paysans suisses doivent faire preuve d'imagination. Pour réduire ses coûts, Stefan Britschki s'est associé avec d'autres paysans. Il exploite actuellement plus de 100 hectares. Il a également introduit de nouvelles méthodes de production. Depuis quelques années, nous utilisons cette nouvelle méthode de culture qui consiste à planter des fraisiers sur une butte. Les buttes et le film plastique permettent de renoncer aux herbicides. Les plantes croissent mieux et de manière plus saine. Nous offrons aussi ces services à d'autres exploitations. Qu'il soit produit dans des fromageries de petite taille ou dans de grosses unités, le fromage suisse est apprécié dans le pays même comme à l'étranger. La famille Niederberger a décidé d'améliorer son indépendance économique. Il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans la production de fromage. La riche palette de fromages aux arômes variés qui est proposée à la vente dans les grandes surfaces ou les marchés locaux est également un élément important de la culture helvétique. On porte autant d'attention à la cave à fromage vieille de 200 ans qu'à la recette encore plus ancienne du Sprinz qui y est entreposée. Le marché local est important pour moi. J'apprécie d'y vendre les denrées que j'ai produites et d'entendre les commentaires des clients. Comme la famille Niederberger, quelques 5% des paysans pratiquent la vente directe. La plus grande partie du commerce alimentaire passe pourtant par les grands distributeurs. Le Jura suisse est la patrie du cheval des Franches Montagnes, la seule race chevaline helvétique. Gabriel Ray est éleveur de chevaux. Je suis né avec le cheval de la race des Franches Montagnes. Les tracteurs sont arrivés, mais j'ai continué son élevage car j'ai l'amour pour ces bêtes qui sont réputées pour un caractère magnifique. Chaque printemps, 2 à 4 jeunes chevaux sont débourrés. Nos chevaux, dus à leur bon caractère, sont également entraînés pour faire de la physiothérapie. Et je dois vous dire que j'ai un très grand plaisir à élever ce cheval. En matière de protection des animaux, la Suisse possède une des législations les plus progressistes. Elle garantit une détention des animaux conforme aux besoins des espèces. Espace et lumière en suffisance, possibilité de mouvement, fourrage sain, pas d'antibiotiques à titre préventif et pas d'hormones de croissance. La production industrielle dans des fabriques d'animaux est ainsi exclue. Les vins suisses sont pour les consommateurs locaux un bien culturel précieux. Les vignerons suisses en cavent chaque année en moyenne 120 millions de litres de vin. Le vin blanc représentant près de la moitié de la production. Le domaine viticole de la famille Calloz est une entreprise familiale avec quelques employés seulement. Toute la technique qui est à notre disposition à l'heure actuelle
Elle doit servir à retracer au maximum la qualité du raisin. Donc le cépage, le terroir et puis le microclimat. Les Calauzes font face à la concurrence étrangère avec leur spécialité régionale issue d'anciens cépages valaisans. Sur le domaine viticole de la famille Calauzes, on ménage volontairement des îlots naturels afin de protéger les espèces animales ou végétales rares. C'est une préoccupation qui doit être permanente chez nous parce que la nature, c'est le garant de notre futur. Selon la Constitution fédérale, l'agriculture suisse doit à l'avenir être marquée par des exploitations familiales et non par des entreprises industrielles. Les familles paysannes continueront à fournir de nombreuses prestations en faveur de l'environnement, du paysage et de la population. Car être paysanne ou paysan, ce n'est pas seulement une profession, c'est une véritable vocation et un élément important de la culture suisse.